En 1965, durant la guerre du Vietnam, Joe Hull, un caporal, remarqua l'absence d'émotion dans le regard de ses compagnons. Il affirme par la suite qu'on aurait dit qu'ils avaient perdu la vie. Ça, c'est ce que l'on appelle le regard à 1000 mètres, ou le thousand yard stare en anglais. Cette photo en est un bon exemple. Le terme thousand yard stare est utilisé pour décrire un regard particulier, souvent associé à ceux qui ont été confrontés à des situations traumatiques ou très stressantes, en particulier dans un contexte de guerre. Le regard devient fixe et vide, comme si la personne regardait à une distance de 1000 yards, sans vraiment voir ce qui se trouve devant elle. Il est généralement interprété comme le signe que la personne est mentalement ou émotionnellement déconnecté de son environnement immédiat. L'expression a été popularisée après que le magazine Life ait publié le tableau de Tom Lea. L'œuvre représente un marine anonyme en 1944 à la bataille de Peleliu dans l'archipel des Palaos. Ce regard est souvent associé à des conditions psychologiques telles que le TSPT, le trouble de stress post-traumatique qui peut se développer après qu'une personne ait été exposée à un événement traumatisant. Ce regard pourrait donc être une manifestation de la déconnexion émotionnelle ressentie par ceux qui souffrent du TSPT.